Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la jeunesse égyptienne, une jeunesse prise en charge par l'État et par ses différentes institutions. Une jeunesse qui est en voie de formation d'une manière qui puisse aller de pair avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle révolution du monde de l'information, de l'intelligence artificielle. Une jeunesse qui est à la hauteur de cette nouvelle époque. Une jeunesse qui est prise en charge par l'État de manière à ce que cette jeunesse représente et cette jeunesse est représentée par des jeunes au sein du Parlement et au sein du Sénat égyptien. 25 parmi la jeunesse égyptienne sont des adjoints de gouverneurs. La jeunesse égyptienne est formée de manière à aller de pair avec la nouvelle technologie, avec l'ère nouvelle, et aussi l'État fait confiance à la jeunesse. Cette jeunesse qui est actuellement formée pour devenir de jeunes entrepreneurs. Une jeunesse qui a des forfaits tout à fait particuliers, qui a des institutions financières lui accordant tous les prêts nécessaires pour tenir leur projet avec des taux d'intérêt minimes. Une jeunesse à qui l'État va affréter des terrains avec des taux d'intérêt très réduits, voire 5%, ce qui n'est trois fois rien par rapport au taux d'intérêt qui doit être instauré pour des cas similaires. Pour des terrains, par exemple, pour les 1,5 million de faisans en tant que terres agricoles. Donc l'État fait enfin tout le nécessaire de manière à ce que la jeunesse puisse monter des projets et avoir les petites et moyennes entreprises de manière à monter leurs micro-projets. Mais avant de commencer, il faut dire que l'Égypte déploie des efforts énormes pour soutenir le peuple libyen. Et sur ce, le chef de l'État a indiqué que l'Égypte soutenait le peuple libyen et l'État libyen, évidemment, dans sa lutte pour retrouver la stabilité du pays. Et sous les directives du président Abdel Fattah el-Sissi, le chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel, est arrivé dans la capitale libyenne Tripoli pour une visite qui vise à renforcer les relations de coopération bilatérale et soutenir le processus politique et la stabilité en Libye. Dans le même contexte, le chef de l'État a affirmé que l'Égypte soutenait le peuple libyen et son gouvernement qui œuvre à réaliser la stabilité dans le pays. Le chef du service des renseignements Abbas Kamel a été reçu par M. Abdelhamid Eddebaïba, le chef du gouvernement d'Union nationale, ainsi que les hauts responsables de l'État, et aussi le général Abbas Kamel, qui est à la tête du service de renseignement, a été reçu au siège du conseil ministériel à Tripoli. Aussi, il a tenu des entretiens avec le chef libyen des services de renseignement, Mohamed Al-Munefi, qui est directeur ou qui est président du conseil présidentiel. Et M. Abbas Kamel a transmis les salutations et a transmis le soutien du chef de l'État pour la Libye en tant que gouvernement, en tant qu'État et en tant que peuple. Et ensemble, ils ont discuté des relations bilatérales, ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans la région, ils ont passé en revue ensemble les dispositions nécessaires de manière à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité en Libye. Nous allons passer à un autre volet concernant les relations reliant l'Égypte au Luxembourg. L'Égypte et le Luxembourg optent pour de vastes horizons de coopération. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, s'est entretenu mercredi avec son homologue luxembourgeois, Jean Hasselborn, actuellement en visite au Caire, et l'entretien a eu lieu au palais Al-Tahrir. Et l'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations égypto-luxembourgeoises dans les divers domaines et les questions d'intérêt commun aux échelons régional et international. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Chokri, s'est entretenu mercredi avec son homologue luxembourgeois, Jean Hasselborn, actuellement en visite en Égypte.
Les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au terme des pourparlers. Le chef de la diplomatie a mis l'accent lors de la rencontre sur la profondeur des relations égypto-luxembourgeoises. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec son homologue luxembourgeois Jean Hasselborn, au terme des pourparlers, Chokri a affirmé le souci des deux pays de renforcer leurs relations au niveau politique et économique. Il a ajouté avoir également évoqué avec M. Hasselborn les questions d'intérêt commun, notamment la situation dans les territoires occupés en Libye, ainsi que les questions du barrage de la Renaissance. Pour sa part, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères a mentionné l'importance des relations avec l'Égypte et affirmé que le Caire jouait un rôle central dans la région. Le ministre luxembourgeois a salué le rôle de l'Égypte dans le cessez-le-feu à Gaza, soulignant que sans le rôle égyptien, les opérations militaires se seraient poursuivies, ce qui nous incite à la remercier, soulignant que l'Égypte a un rôle à jouer dans le soutien à la reconstruction de Gaza et que son pays soutiendra les démarches égyptiennes, que ce soit dans la reconstruction ou la réalisation de la réconciliation. Chokri a souligné que l'Égypte et le Soudan ont fait des concessions sur la question du barrage de la Renaissance pour parvenir à un accord, mais que la partie éthiopienne se rétracte et n'a pas la volonté politique de parvenir à un consensus. L'Éthiopie a renoncé à signer ce qui avait été atteint lors des réunions de Washington sur le barrage de la Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le nouveau gouvernement israélien est le choix des Israéliens, confirmant que l'Égypte aspire à parvenir à un accord sur la base du principe de la solution à deux États. Une autre nouvelle que nous venons de recevoir concernant le général Abbas Kamel, qui est le chef du service de renseignement en Égypte, qui est arrivé à la ville de Benghazi en tant que l'objectif de sa visite en Libye. Il a rencontré Khalifa Haftar, le commandant général de l'armée d'Union nationale, l'armée libyenne d'Union nationale. Et il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sissi, a loué les efforts déployés par l'armée nationale libyenne pour réaliser la paix et la stabilité et lutter contre le terrorisme. Il faut dire aussi que le président Abdel Fattah el-Sissi a confirmé ou a loué et a assuré et a souligné l'importance de l'armée et des forces armées libyennes et le rôle que les forces armées libyennes jouent dans la protection du peuple libyen. Nous retournons de nouveau à notre dossier égyptien concernant la santé, outre la visite tenue actuellement en Libye, qui est un volet très important concernant nos relations avec nos voisins libyens et concernant la sécurité et la stabilité dans la région. Il faut dire que la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed, a rencontré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, au siège de l'organisation à Genève, afin d'examiner le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé, ainsi qu'un nombre de sujets importants d'intérêt commun. Le point dans ce compte-rendu. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed, a rencontré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom, au siège de l'organisation à Genève. Au début de la rencontre, Mme Zayed a remercié le directeur général de l'OMS et le bureau de l'OMS à Genève pour leurs efforts visant à soutenir le système sanitaire en Égypte avant la pandémie du coronavirus et pour le maintien de ces efforts pendant la pandémie. La ministre a examiné avec le responsable onusien nombre de sujets, passant en revue les efforts déployés pour maintenir l'Égypte comme un pays sans poliomyélite, efforts qui avaient été intensifiés par le lancement début 2021 de deux campagnes de vaccination contre la maladie et faisant état des préparatifs pour le lancement pendant les quelques prochaines semaines de deux campagnes supplémentaires dont le même objectif,
avec le soutien de l'OMS. Les deux responsables ont passé en revue le nouveau traité international sur la lutte contre les pandémies qui est actuellement en phase d'élaboration et qui devrait prendre forme pendant les prochains mois. Dr Zeid a étalé les efforts de l'État pour fabriquer le vaccin anti-coronavirus en Égypte via un contrat avec la compagnie chinoise Sinovac, sollicitant le soutien de l'OMS à ses efforts pour aider l'Égypte à obtenir l'accréditation pour produire le vaccin dans les usines de l'entreprise égyptienne Vaxera, pour les vaccins ainsi que l'accréditation de l'usine de Vaxera comme une des usines qui produisent les vaccins anti-coronavirus. La ministre a également examiné le dossier égyptien relatif à l'obtention de l'Égypte d'une attestation internationale qu'elle est exempte de l'hépatite C, dossier qui est actuellement étudié par l'OMS.